Dernière question. Pendant la campagne électorale, vous étiez engagé à fournir une réponse sous 15 jours maximum à tous les courriers reçus en mairie. Nous sommes loin du compte, il n'est pas rare que des réponses parviennent à leur destinataire 6 ou 7 semaines après l'envoi du courrier. Certains courriers ne reçoivent même aucune réponse. Bon. Alors, moi j'ai donné des instructions pour qu'il soit répondu à chaque courrier qui nous parvient. Alors, plutôt que de donner des réponses de pure forme, nous essayons d'apporter dans nos réponses des solutions qui peuvent prendre plus ou moins de temps selon les questions. C'est vrai qu'on essaye, quand on fait la réponse, de ne pas dire « Oui, oui, on a bien reçu votre courrier, on va s'en occuper. » On essaye d'apporter la réponse qui prend un petit peu plus de temps. Maintenant, on peut faire une réponse de principe d'abord, et puis après faire une deuxième réponse. C'est aussi une autre façon de faire. Nous avons choisi la deuxième solution, c'est-à-dire quand on fait la réponse, on essaye d'apporter la solution. En ce qui nous concerne, je n'ai pas de statistiques précises sur le taux de réponse, mais enfin, comme vous semblez en avoir, vous, sur les réponses, je ne sais pas où vous les avez, mais ça serait bien que vous nous les communiquiez, ça pourrait nous intéresser pour essayer de redresser la barre si effectivement nous ne répondons pas comme il se doit aux demandes qui nous sont faites. Donc n'hésitez pas à nous les communiquer, ça nous fera très plaisir.